La suite de cette édition d'information avec cette audience au ministère de la fonction publique entre le patron du dit ministère et le directeur de l'agence française de presse de développement. Il s'est agi d'aborder la question de l'évolution des performances au niveau de la fonction publique. Reportage. La rencontre entre la délégation de l'Agence française de développement et le ministre en charge de la fonction publique, Serge Maurice Mabiala, est le tout premier contact entre les deux entités. Un contact qui a permis de faire le point sur le progrès de performance de la fonction publique. On a donc écouté attentivement l'exposé, le diagnostic que Monsieur le ministre a fait de la situation de la fonction publique au Gabon, les lignes de progrès, les voies d'action qu'il compte mettre en œuvre. Il a interrogé l'Agence française de développement sur l'appui qu'elle pourrait apporter dans cette vision, qui est une vision à la fois de long terme, c'est-à-dire ambitieuse, sur le progrès des performances de la fonction publique, et également plus immédiate dans les appuis qu'on pourrait apporter. L'Agence française de développement, pour sa part, dresse ici le bilan de sa contribution dans les réformes engagées dans notre pays. L'action principale que fait l'AFD, de par sa mission, c'est une action sectorielle. Donc on travaille déjà de manière étroite avec les ministères sectoriels, par exemple en ce qui concerne la santé. C'est des choses qu'on a déjà eu à mettre en œuvre. On réfléchit à des actions similaires avec l'éducation nationale. Avec la fonction publique, c'est-à-dire une vision qui est plus une vision transversale, c'est une approche nouvelle qui dépasse un petit peu ce que fait l'AFD. Donc on raisonne à un niveau qui est plus large, qui est celui, disons, de ce que la France pourrait apporter en appui au Gabon dans l'évolution, le développement des performances de la fonction publique. Signalons que l'Agence française de développement est un partenaire qui a toujours accompagné le Gabon dans son programme de développement.